Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de venir partager avec toi l'évangile de ce jour. C'est toujours une aventure de découvrir ce que Jésus veut nous révéler à travers sa parole. Aujourd'hui, nous avons l'évangile dans Saint-Luc où quelques sadducéens, c'est-à-dire ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchent de Jésus pour lui demander « Maître, Moïse nous a prescrit » Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus répond avec beaucoup de sagesse, de tact et de vérité. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu, héritier de la résurrection, enfant de la résurrection. Et il nous dit aussi que les morts vont ressusciter parce que Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Alors, de quoi Jésus nous parle-t-il dans cet évangile? Nous parle-t-il du mariage? Nous parle-t-il de la vie éternelle? Eh bien, tu sais, dans l'Évangile, Jésus nous parle de lui. Il nous parle de lui et qu'est-ce qu'il nous révèle? Eh bien, que c'est lui l'époux, qu'il est le seul et l'unique époux de nos âmes. Et au ciel, c'est les noces éternelles. C'est la vie éternelle qui n'aura pas de fin, où tous nous serons en communion avec Dieu, et en communion avec nos frères. Nous serons tous des frères, tous les enfants de Dieu. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais comment ça se fait que c'est Jésus l'époux? Eh bien, c'est parce que Jésus, par l'incarnation, il a épousé notre chair. Et par l'Eucharistie, il vient dans notre chair nourrir notre corps. Nourrir notre âme, nourrir notre chair. Jésus est l'époux dans l'Eucharistie et Jésus sur la croix. Il a épousé l'humanité dans sa douleur, dans sa souffrance. Voilà pourquoi Jésus est l'époux. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Jésus, il a tout épousé en nous, la souffrance, la mort, mais aussi nos joies, nos beautés, mais c'est dans nos difficultés qu'il est venu pour nous sauver. Ce matin, en faisant mon oraison, je me disais, et moi, la souffrance, j'aime bien l'évacuer. Hein? J'ai de la difficulté à me priver d'un petit biscuit ou d'un petit quelque chose que j'aime, alors que je pourrais l'offrir à Jésus par amour pour lui dire, Jésus, viens épouser ma chair, fais que j'ai encore plus faim et soif de toi. C'est tout un défi à relever, effectivement. Alors Jésus, il est mort et ressuscité, il est l'époux vivant qui vient aussi où? Dans mon quotidien, dans mes oui d'amour, dans tout ce que je fais, dans tout ce qui semble banal, en train de faire un message lumière, en train de ramasser des feuilles dehors, en train d'accueillir quelqu'un qui sonne à la porte, en faisant un sourire à quelqu'un qui m'a un peu contrarié, en bénissant quelqu'un qui m'a coupé en voiture. Hein? C'est tout dans notre vie, c'est dans tout notre quotidien que Jésus vient épouser nos vies. Il est toujours avec nous, il est toujours avec toi. C'est extraordinaire. Je pense que si on prenait conscience de ça davantage, ce serait vraiment extraordinaire. Même plus extraordinaire parce que le pauvre Antiochos, dans la première lecture,
Il meurt de chagrin parce que les événements n'ont pas répondu à ses attentes. Nous, là, avec Jésus, il y a toujours de l'espérance. L'époux, il peut tout transformer, il peut tout changer en bénédiction. Alors, je n'ai pas peur de rien, je n'ai peur de rien parce que Jésus est avec moi. C'est ça la bonne nouvelle aussi. À un moment donné, lorsque j'étais à Bécomo aux éditions, je me disais, ça y est, je vais terminer ma vie aux éditions et je n'ai plus d'avenir, je ne ferai plus rien. Ça a duré quelques mois jusqu'au jour où je me suis dit, mon avenir, c'est pas d'aller ailleurs. Mon avenir, c'est pas de faire des choses. Mon avenir, c'est mon intimité avec Jésus. Et là, j'ai retrouvé l'espérance. Et là, je suis en Belgique. Mais mon avenir, c'est pas d'être en Belgique. Mon avenir, c'est mon intimité avec Jésus, l'époux de mon âme, l'époux de ton âme. Voilà la grande bonne nouvelle de ce jour. Je te souhaite une belle journée. J'espère que tu aimeras davantage cet évangile qui n'est pas facile, mais qui nous parle de Jésus. Jésus, l'époux, mon époux, ton époux, l'époux de nos âmes. Je te souhaite une belle journée. À demain et au revoir. De la gloire de Dieu, nous.